PEGI 18. Salut les amis, c'est Monsieur Nour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal et on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Cartoon Break. Après l'épisode de la série que vous avez pu voir hier, nous allons enchaîner sur l'acte 4, la partie 1, le pont de Port Donnelly. J'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez mettre un petit pouce bleu bien sûr, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi commenter cet épisode et bien sûr vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit les amis, n'hésitez pas. Allez, on y va! On lance les hostilités puisque le chargement est assez long. On se retrouve dès que le jeu débute. Vous avez ôté à Monsieur Seren sa garantie de survie. Le docteur Amaral, vous étiez la priorité. Ouais, ça je l'avais compris. Monarch avait fait placer toutes les issues possibles sous surveillance. Je devais quitter l'île, mais certainement pas en voiture. Il me fallait un autre plan. Ok, on y va. Bess, venez me chercher. C'est trop dangereux. Très bien. Ok, c'est parti. Je vous rappelle dès que j'aurai gagné les hauteurs et que j'aurai un point de vue sur ce qui se passe sur le pont. Pas sûr qu'on puisse l'emprunter. C'est parti, mon kiki. On se remet le gameplay en main, bien sûr. Il faut qu'on arrive sur le toit, d'accord. Ok. Je dois trouver un point de vue en hauteur. Une petite source de chronon, ça veut dire qu'on a récupéré un point d'amélioration. On en a combien? Un seul. Donc du coup, on va pas pouvoir améliorer grand chose, puisque maintenant, je crois qu'il nous en faut... voilà. Hein. Donc là, on peut pas l'améliorer, ça c'est fait. Ça, il nous en faut 4, 6, 4, 6, 4, 6. Ah si, on peut améliorer le bouclier temporel. Jack récupère plus vite d'une attaque dans le rayon d'action du bouclier temporel. Ah, ça peut être intéressant. C'est vrai qu'on commence à prendre cher. 4, 6. Et 2 pour ça. 6, 2, 6. Ok, donc on va augmenter notre bouclier. Voilà, hop. Voilà, allez, ça c'est bon. Alors par contre, ça serait cool qu'on récupère plus maintenant, parce que 4, 6, 4, 6, 4, 6... Je ne sais pas, vous pouvez peut-être vous faufiler. Ouais, peut-être. Sinon, je viens vous chercher. Tenez-moi au courant. Je suis plutôt exposé. Il y a un homard géant sur le toit, vous êtes au courant là ou... J'irai beaucoup mieux quand je suis sur ce bateau. Tout va bien. Monarch me lâche pas. Ils ont pas l'air d'avoir envie de plaisanter. Comment va le docteur Amaral? Elle se débat, et elle crie. Il vous faut combien de temps pour venir? Ça dépend. Laissez-moi vérifier. Paul. C'est quoi? C'est quoi ce délire? Ok. Je ferais bien de rentrer avant que cet hélico me voie. J'ai du mal avec le B et le X. J'ai du mal avec le B et le X. Ok. Vous êtes toujours là? Ouais, je cherche juste un point de vue. On n'a toujours pas trouvé Joyce et Wilder. On fait un passage. C'est le thème de la soirée. Je suis en train d'observer le pont. La sécurité est à cran. Si j'approche du pont, des innocents vont être pris dans la fusillade. Je vois. Des idées peut-être? Avancez. Calmez-vous. Je dois inspecter votre camion.
Laissez-moi voir. Il y a une jetée sous le pont. Essayez de m'y rejoindre en bateau. Il y a un panneau essence devant. On voit que ça. Monarch non plus ne pourra pas le rater. J'ai pas vraiment le choix. Je passe sur la fréquence de Monarch. Je vous recontacte. J'y serai dans quelques minutes. Ne me posez pas de lapin. Ok. On n'a pas le droit à l'erreur. Bon. Comment je fais pour descendre? Où est la barre? Les ordures. J'ai pas du tout envie de savoir ce qu'il était en train de lui faire. QG, ici Gatekeeper 1. Les civils se rebellent ici. Faut en profiter là. Ils sortent de leur véhicule. Ah merde, trop tard. Ah tiens, des chronos. Évitez de tirer autant que possible, mais si c'est nécessaire... Reçu. Très bien. Ah, il y en a 6 dans l'épisode à trouver. Ah d'accord. Quelle bande de cons, ces petits civils. Je sais toujours pas si on peut... Bon bah c'est parti hein. Mais merde. Il est où? Il était juste là. Il faut que j'atteigne cette jetée. Calmez-vous, calmez-vous, Jean-Michel. Ah ouais, mais c'est Jack la sulfateuse là-bas. Jamais chargé ce putain de flingue. C'est pas possible. Je l'ai même pas tué. Oh non, c'est lui. Ok, d'accord. Ok, ça c'est fait. QG, on voit la jetée. Continue à surveiller le ponton. Il pourrait tenter de s'enfuir par loin. Oh, merde. QG. Bah oui, merde, tirs, oui, mais... Il commence à paniquer. Bess, changement de plan, la jetée est trop dangereuse. Je vais trouver un autre moyen de traverser. J'y suis presque, attendez encore 2 minutes. Pas question de mettre le docteur Amaral en danger. Je dois traverser ce pont. Par n'importe quel moyen.
soit monter sur ce pont et le traverser. Ok. On regarde quand même ce que, si, si encore 4 sources de chrono à trouver hein, pour améliorer nos pouvoirs. C'est pas négociable. Pas négligeable. Négociable. A pas l'air commode la petite dame là. C'est pas la voix douce de Jacqueline hein, dans Forza. Hein. Carrément pas. Hein. Non, je peux passer à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est juste une lumière jaune, je crois que c'était un truc. Ah, oh, faut que j'arrête avec mon bouclier aussi. Ça va être ça notre moyen, à mon avis, c'est que là, il va y avoir une... Voilà. Il va falloir qu'on se dépêche par contre. Putain. Ah oui, ça fallait s'en douter. Et on peut pas le taper, c'est ça qui est chiant. C'est bon, il n'y a plus personne. Si là-bas. Non. Tire-lui dessus. J'attends qu'il soit prêt. Mon bouclier rechargé, on y va. Oh, reste pas à côté des voitures, tu vas t'en prendre une. Aïe. C'est bon, il a explosé. Et comment je traverse le pont s'il est ouvert? Voilà. C'était rendu, hein, j'ai l'impression. Hein. Hyper bien fait avec les mouettes là et tout. Par contre, je vais changer d'arme parce que j'ai l'impression que j'ai plus d'armes. J'ai plus de balles dans mon mitrailleuse.
C'est hyper bien fait, je trouve. Franchement, c'est hyper bien fait. Je pense qu'il va falloir qu'on revienne en arrière, non? C'est ça? Ah, déjà, on est accroché. Ouais, voilà, va falloir jouer avec, avec le décor. Moi non plus, je le sens pas du tout. Je savais que j'allais y passer si l'interruption s'effondrait pendant que j'étais dans la zone de collision. Ok, d'accord, on va se calmer. Sécurité, pour la ralentir, c'est ça. Il ne restait plus qu'à descendre. Ah, faut que je cours. Oui, c'est vrai que j'oublie à chaque fois ça. Je peux courir. Je peux me déplacer rapidement, hein, avec le esquive. Je savais que j'allais y passer si l'interruption s'effondrait pendant que j'étais dans la zone de collision. Je devais me mettre en sécurité et le pont du cargo était ma meilleure option. Il ne me restait plus qu'à descendre. Oh, bah heureusement que j'ai pas choqué du tout. J'ai pas sauté du tout. Maintenant, on va faire qu'on passe ici. La zone de collision figée. Ça, c'est fait. Je devais réussir à la traverser et prier pour m'en sortir indemne. Bonjour, ok. Oh ouais, mais non, quoi. Ouais, d'accord. Alors, il faut revenir en arrière, figer le truc et mettre une esquive. Va les combos. Je viens de me faire défoncer la gueule par une benne. Oh mon dieu, ce que je viens de prendre. Ok, allez, vas-y. On revient en arrière. On fige. Et j'ai pas eu le temps d'accélérer, c'est génial. Pourtant j'ai figé, non? Ça s'affiche pas la benne complète? Hop. Ah mais non, mais c'est pas possible, j'arrive pas à la figer. En fait, je peux pas la figer. Faut que je cours direct. Je remote et je cours direct. Je perds du temps à figer en fait. Vu que ça marche pas en plus. Voilà, c'est ça ce qu'il fallait faire. Je continue à descendre en direction du cargo. Ah d'accord, donc faut courir par là. Oh oh oh. Ah oh, bah cool, merci. La progression vers le bas était loin d'être une promenade de santé. La fracture ne faisait qu'empirer. Les événements se mélangeaient, se répétaient violemment, se décalaient, se confondaient sans arrêt. La fin du temps ressemblait. Mais non, mais pourquoi je suis allé? Je suis un crétin. Des fois, je suis crétin. On l'a vu que ça redescendait. Là, j'avais aucune chance de passer, quoi. C'est ça que j'aime bien aussi dans ce genre de jeu, comme je vous l'ai déjà dit quand j'ai fait Tomb Raider. Oh, on recommence ici, t'es sérieux? Tomb Raider et tous ces jeux, Uncharted et tout. C'est ce que je kiffe moi dans ces jeux, c'est vraiment les phases de gameplay qui changent. On n'est pas figé sur un gameplay du bout à la fin, enfin du début à la fin du jeu. C'est voilà, c'est ça change, ça.
ça intervertit et du coup c'est très plaisant. C'est très 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 plaisant de jouer à ce genre de jeu justement. La fracture ne faisait qu'empirer. Les événements se mélangeaient, se répétaient violemment. Se décalaient. Voilà, on va courir. La fin du temps ressemblait à ça. Tout était brisé, chaotique, figé. Et personne ne s'en rendait compte. Impeccable. Bordel. La fracture s'aggravait. C'est le bordel. Les objets traversaient le temps. Dans un chaos total, des lignes temporelles se chevauchaient. Et ça allait empirer. À moins de tout arrêter. Vous n'imaginez pas la puissance de cette technologie. Vous devez absolument la remettre à Monarque. Je me suis préparée à ce qui va arriver. Vous dites vous y êtes préparé, mais à aucun moment votre plan ne prévoyait d'empêcher ces événements. Même si je réparais la machine de William, vous espérez quoi au juste? La fin du temps approche. Il n'y a aucun moyen. Hé hey C'est pas un débat. Je viens de voir un bateau s'encastrer dans un putain de pont. Le temps s'écoule rapidement, et la fracture s'aggrave de minute en minute. On ne peut pas l'arrêter. Paul s'est rendu à la fin du temps. Il l'a vu de ses propres yeux. Vous ne comprenez pas. On s'est préparé à ce qui va arriver par nécessité. Vos recherches s'appuient sur le travail de William Joyce. Vous le respectiez. Il savait que la fracture allait se produire. Il savait aussi qu'on pouvait l'arrêter. Will a conçu un outil anti-fracture. Ça. La contre-mesure. Nous allons aller dans le passé pour la récupérer. Aidez-nous à nous y rendre au plus vite. Ou bien, nous resterons en désaccord. Je dois faire des tests sur la machine. Avant ça, je ne peux rien vous promettre. Nick, emmenez Amaral à la machine. Surveillez-la. Ça marche. Bienvenue dans l'équipe, Doc. Ne forcez pas à vous flinguer. Ok. Et on va s'arrêter là, les amis, puisqu'on entame la partie 2. Vous l'avez vu. Ça commence à bien se bidouiller. J'aime bien cette histoire. J'aime beaucoup l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire du jeu. J'aime beaucoup le jeu, d'ailleurs. Et pour moi, il est temps de vous dire aussi, pour ceux qui suivent ce let's play, que j'ai une clé Quantum Break pour Windows 10. Et je ferai très certainement un concours pour vous la faire gagner très prochainement. Donc surveillez mon Facebook ou mon Twitter. Et je ferai très certainement une vidéo d'ailleurs sur YouTube pour vous prévenir. Il y aura un concours où il faudra quand même me montrer que vous avez Windows 10, puisque le jeu ne marche que sur Windows 10. Il ne s'active que sur le Windows Store de Windows 10 et il faudra un PC donc qui puisse faire tourner le jeu hein, parce que je vais pas l'offrir à n'importe qui, autant que ça serve à quelqu'un qui en a besoin et qui peut le faire tourner. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, le partage, le abonnement à la chaîne. Hein, le abonnement, oui. L'abonnement à la chaîne, ça fait plaisir. On se retrouve très bientôt. Pas demain pour Quantum Break, parce que demain, c'est mercredi. Et demain, ça sera journée spéciale sport. Et on se retrouve donc jeudi pour la suite de Quantum Break. À la prochaine. Salut. Bye bye.